Salut tout le monde, c'est Gwendal. Aujourd'hui, on se retrouve voilà, pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, donc voilà, je suis rentré chez moi. Je suis rentré chez moi après que j'ai travaillé. Donc, du coup, on va aller au bureau de vote voir le dépouillement. Alors, il me semble que normalement, le dépouillement est fini. Le dépouillement est fini, donc on va voir qui va être élu. Alors, attendez, j'espère pas que j'arrive trop tard quand même. J'espère que j'arrive pas trop tard des élections. Ce serait assez embêtant. Normalement non, mais bon, je vais quand même essayer d'aller me dépêcher un petit peu. On va voir. Bon, j'espère quand même que je vais être élu, hein. Mais bon, est-ce que j'ai vu les nombreux coups de téléphone que j'ai eu pendant la journée, je crois que ça devrait le faire. Donc on va voir. On va voir vraiment si j'ai été élu. On va voir. J'essaie pourtant d'accélérer, d'appuyer sur le champignon. Avec ma vieille voiture. Il y a encore des gens dans la rue. Hein. Allez. Allez, on va se garer par là. Voilà, on va éteindre le feu. Allez, on y va. Encore ma. La vie, c'est une vieille Chevrolet que j'ai récupérée. J'ai récupéré quand j'ai été dans le nord là-bas. Ah, tiens, il y a déjà du monde. Salut John, ça va? Ça va bien. Ah ok, bon bah nickel. Et du coup, niveau, du coup, tu sais pas qui, non? Le résultat des élections va être affiché sur le grand écran. Enfin, j'ai pas eu grand écran. Il est visible, mais j'ai pas vu. D'accord, merci John. Bon du coup, bon, on va attendre. Je sais pas combien de temps on va falloir attendre. Mais bon. Ah tiens, ça a l'air à peu près bon. Mais ça a l'air à peu près bon. Ah tiens. On va voir qui va être élu. Attention, je sais pas. Oh, j'ai été élu. Avec les 40% des voix. Bon, en même temps, j'ai été élu. Bonjour, comment ça va? Bon, ça va et toi? Ça va mieux qu'il y a un mois. Tu t'es fait opérer il n'y a pas très longtemps? Oui, ça fait 3 semaines que je me suis fait opérer du genou droit. Et du coup, ça va beaucoup mieux ou t'as encore un peu mal? Bah, ça va mieux, heureusement. Mais je ne peux pas marcher sans ma canne. Bon, ouais, papy, je vais te laisser, rentre pas trop tard quand même hein, pour ta santé. Et je te dis à plus. Salut et félicitations pour ton élection. Bon, allez tout le monde, merci à tous. Et allez, à plus. Bon, c'était pas trop mal la soirée là, voilà, j'ai un peu bu là, je trouve. Bon, c'est brave. Allez, on va y aller. Bon, je vais retourner chez moi. Allez, on va. Voilà. Oh, les phares. Bonjour. Oh, je suis fatigué là. Il est qu'à 2h du matin là, un truc comme ça. Oh là là. Oh, je suis fatigué. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe, mais j'espère au moins que je vais rentrer, ouais, quand même. J'espère que je vais réussir à rentrer. Oh là, bon, salut tout le monde, c'est Gwendal. Il est midi actuellement. Bon, on va faire que je fasse quelque chose, moi. Hier, on a beaucoup fait la fête, on a beaucoup trop fait la fête. Le champagne était trop en quantité, en quantité trop importante, j'ai du mal à parler. Ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'il y a des gens qui m'attendaient chez moi pour, voilà, pour fêter mon élection de manière explicite. Du coup, aujourd'hui, il va falloir que je assure. Bon, je vais pas tout de suite assurer mes fonctions de maire parce que le maire actuel a encore quelques jours devant lui en tant que représentant de la mairie. Donc, du coup, moi, je vais pour trouver du travail. trouver du travail parce que ma paye de maire va pas réussir à payer toutes mes dépenses. Je vais rappeler mon ancien patron d'entreprise de routier. Ça s'appelait 7 cab, je crois. Ouais, c'est ça, 7 cab.
Donc du coup j'étais parti et puis du coup va falloir que je le rappelle. Du coup bon bah je vais le rappeler. Du coup je vais rappeler. Alors, attendez, est-ce que j'ai le numéro? C'est ça que je suis en train de me demander. Oui c'est bon, j'ai le numéro. Allez, je l'appelle. Attendez, ça sonne. Oui, monsieur? Oui, bonjour, à qui ai-je l'honneur? Oui, bonjour. En fait, voilà, je m'appelle Gwendal. J'ai travaillé pour vous il y a quelques années de ça. Donc j'étais chauffeur poids lourd et donc je souhaiterais parce qu'en fait j'ai été élu maire dans voilà dans mon village et du coup je me retrouve sans travail et j'aurais aimé reprendre mes fonctions chez vous. Je sais pas si vous vous rappelez de moi. Hein. Voilà, j'avais quitté il y a un petit moment. Oui, je me rappelle de vous, et ça tombe bien, car je suis en manque de chauffeur. Bon bah merci, j'arrive, je vais y aller de toute façon parce que là j'ai rien à faire. Donc là j'arrive et on voit ça ensemble. Bon, bah, tout de suite. Allez, à tout de suite. Oh là bon, c'est carrément cool maintenant, j'ai été élu. Il m'a dit qu'il fallait direct que j'aille le voir. On va aller voir ça. Je sais, enfin je me rappelle à peu près où elle est, je crois. Je me rappelle à peu près où elle est, faire que je me souviens exactement de l'endroit précis, mais si, non, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. On va aller voir ça. On va aller voir ça. On va aller voir le. Si je me rappelle bien. C'est vrai, je me rappelle bien, c'est bon. Je m'en souviens. Allez, on va aller voir ça. Eh bien, salut tout le monde, voilà, c'est Gwendal. Du coup, bah, on se retrouve. Du coup, bon, bah, pour tout vous dire, j'ai donc été à l'entreprise. Donc là, on est à l'entreprise, tout simplement. Et donc, il m'a dit, bon, bah, pas de problème, je te reprends. Puis, je te donne un camion et tu vas aller livrer le truc. Alors, attendez, je mets le GPS, voilà, c'est bon, j'ai mis le GPS. Donc, du coup. On va accélérer, alors donnez une seconde. Oui, donc j'ai. Ouais, voilà, c'est bon. Je me souviens à peu près comment on conduit ça, donc le GPS c'est bon. Mais ouais, du coup, ça va être assez compliqué là. En tout cas, bon, mes impressions, si on m'en demande, mes impressions donc sur les élections. Voilà, en tout cas, je suis très content d'être élu. Enfin, être élu pour moi, c'est voilà, c'est vraiment ce que je voulais. Voilà, donc pour tout vous dire, voilà, voilà vraiment, j'espérais pas plus. Voilà, moi, voilà, j'ai été élu parmi tant d'autres. En tout cas, bon, le maire actuel, là, qui est vraiment, vraiment dépité de son non-élection, hein, puisque quand même au téléphone, il m'a dit, vous êtes pas le favori pour les élections. Bon, en tout cas, ça c'est sympa. C'est sympa, mais voilà. En tout cas, je suis bien content qu'un petit jeune, enfin, un petit jeune, en parlant de moi, a été élu à sa place. Donc, c'est vraiment bien. Alors, t'as dit non, petit virage, voilà, c'est bon. Et négocier. Donc, du coup, c'est assez chaud. Oula, attendez, je vais regarder sur le GPS, j'ai pas pris la bonne route. J'ai pas pris la bonne route, mince. On va faire le tour. On va faire le tour, c'est pas grave. Qui arrive. Allez, on va faire un petit demi-tour. Comme ça, on va visiter un petit peu du pays. Hein. On va visiter un petit peu du pays. On va y aller. Donc bon, ouais, en tout cas pour tout vous dire, voilà, je suis tellement content d'être élu. Donc je suis embauché pour l'instant. Il m'a dit un CDD. On va te laisser un mois avant d'être élu. Un mois, c'est vraiment pas mal. Voilà, je sais pas comment que ça va finir cette histoire-là. Un mois, c'est en tout cas très bien. Un mois, c'est même énorme, je dirais. Un mois, voilà. On t'embauche un mois sans trop de. Voilà, un mois, enfin, c'est tellement bien. Genre, en ce moment, je suis genre un petit nuage là parce que je reprends un truc que j'adore, c'est voilà, être routier. Voilà, j'adore ça, puis bon, on est routier ou on l'est pas. Hein. C'est voilà, ma petite expression. On est routier ou on l'est pas. En tout cas, voilà, moi ça me fait vraiment très très plaisir d'être revenu sur les routes de France. Donc, bon, voilà, c'est bon. En tout cas, je suis vraiment très content.
très content. Voilà, c'est en tout cas un truc que je suis tellement content. Je suis tellement content. Non, mais voilà, en tout cas, je suis tellement content. Je sais pas trop comment qu'on assume ses fonctions de maire. On va voir. C'est vrai que c'est surtout pour ça que j'ai un petit peu peur d'être maire. J'ai un peu peur. On va voir au cours du mandat. Hein, mais voilà, j'ai un peu peur d'être élu. Donc j'ai été élu, maintenant il va falloir que j'assume. En plus, je suis un métier qui n'est pas forcément très opportun pour s'occuper d'une commune, hein, parce que je suis pratiquement jamais chez moi. Malgré que quand même j'essaie d'entrer tous les soirs, même si bon, je vois avec le patron. Hein, faut que je vois avec le patron si pour qu'il me donne des horaires qui me plaisent plus ou moins. Enfin plus ou moins, ça vient qu'il y ait des heures qui me plaisent, mais après bon, on va voir, je vais voir avec lui, on va décider ensemble et puis on va voir ça. Alors on va voir ça. En train de tourner, est-ce qu'il y a du peuple attends, droite à gauche et du monde. Je suis assez concentré là. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ma petite épopée. Je suis tellement content. Je sais pas si le tracteur ça va manquer un petit peu. On verra bien. Parce que ça, avec le maire d'avant, quand même, me prenait de haut. Il me prenait du type va faire ci, va faire ça. Bon, il m'énervait un peu. Maintenant, ça va changer. Ça va être ce temps-là est révolu. Hein, on arrête. Je vais arrêter. Je vais éviter de prendre tous les gens que j'ai sous ma responsabilité de haut. Je vais vraiment leur parler sérieusement et s'il y a besoin à la commune d'aide, parce que voilà, moi je serai là. Je serai là pour les assister, parce que le tracteur, je sais pas si ça a manqué, on va bien voir au cours des semaines, hein, mais bon, enfin, vu que c'est toutes des petites communes très tranquilles, je ne risque pas grand chose du tout, hein, je risque au grand maximum de qu'on me jarte, mais en tout cas le maire là, en tout cas, je suis sûr là qu'il va vraiment pas m'aimer. Bon, on va bien voir, mais je suis sûr qu'il va me mettre des petits coups dans les pattes là, parce que il croyait vraiment être élu comme ça, mais non, c'est pas comme ça qu'on est élu du tout. Donc du coup, bah, je sais pas comment ça va se passer. Je sais vraiment pas comment ça va se passer. On va bien voir, mais bon. J'ai quand même peur, hein. J'ai quand même peur qu'il se retourne contre moi, l'ancien maire. Et bon. En tout cas, j'ai nommé. Il reste encore quelques jours encore de maire. Il lui reste quelques jours de maire, mais bon, on va bien voir. De toute façon, j'ai nommé dans ma liste, il y a un très bon secrétaire. Voilà, on a de la chance d'avoir un très bon secrétaire à Beaudange, donc faut en profiter. Vraiment falloir en profiter de notre bon secrétaire de commune, et puis de toute façon il est dans mon camp, hein, donc comme ça s'il y a c'est vraiment tout petit souci, il m'appelle directement, donc comme ça je suis vraiment rassuré, parce que si j'aurais pas lui, pareil mes adjoints en général, même si je serais pas là, ils seraient capables de gérer la commune, donc ça c'est vraiment l'avantage que j'ai par rapport aux autres. Mais bon, on va voir. Moi, ce qui m'inquiète surtout, ça va être les finances, parce que les finances sont au plus bas. Le maire avant là, nous a laissé un
un état de finances très bas. Il a acheté tout le matos, là, enfin, tout le matériel, les tracteurs et plein de trucs. C'est assez bas quand même. Hein. C'est vraiment très très bas. Les finances sont au plus bas et ça m'inquiète fortement. On va voir ça au cours des jours, au cours des semaines qui vont arriver, mais ça m'inquiète vraiment. Ça m'inquiète vraiment vraiment de savoir les finances au plus bas. De savoir les finances au plus bas parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Comment dire. De. Je ne trouve plus mes mots. Il n'y a pas trop d'argent dans les caisses, ça c'est sûr. Bon, je ne trouve plus mes mots, hein. Mais il n'y a plus trop d'argent dans les caisses. Va falloir que j'en trouve. Peut-être monter. Moi au début, je pensais monter une société. Que la commune monte une société quelconque, agricole ou forestière, vu qu'on a un peu de forêt chez nous, et que pour renflouer un peu les caisses, parce que voilà, les caisses sont plus bas et ça m'inquiète vraiment. C'est le seul truc qui va vraiment m'inquiéter, je pense, mais un coup d'état de l'ancien maire, ça m'inquiète pas trop. Voilà, en tout cas, vraiment merci à tous d'avoir été là pour moi, pour me soutenir mentalement, même si, bon, voilà, je n'ai jamais douté de votre soutien. Voilà, donc merci à tous vraiment, merci à tous d'avoir été avec moi, et à plus tout le monde.